Et salut à tous, c'est Mr. et on se retrouve aujourd'hui pour les défis de classe du Mont Roche Noir. Donc les deux premiers défis sont le chasseur et le mage. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Qu'est-ce qu'on va gagner? Je ne veux pas le savoir tout de suite, je regarderai après. Donc deck chasseur qui est fourni par le jeu, hein. Contre le sinistre écluseur. Donc c'est celui sinistre écluseur. Gagne 3-3 si votre main commence. Est vide. Ah ouais, d'accord. Je veux pas de ton lâcher les chiens. J'en veux pas, non. Voilà, ça c'est pas mal comme tour 2. Du coup c'est celui qui force l'invocation d'une créature. Donc on va commencer. Oh, d'accord. J'aurais préféré qu'il me l'invoque automatiquement en fait. Qu'est-ce que tu vas m'invoquer? Oh, ouf, 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 pardon, excusez-moi, excusez-moi. Et ça c'est quoi? Tous les serviteurs... Ah, bon bah j'ai une chance sur deux de toute façon. Ok. Je vais dans le tas, là je fonce. Ah, une tisseuse, bon. Ah, ça c'est moins bien. Je crois que notre ami voudrait un coup à boire. Non, ça va, j'ai pas très soif, merci. Le mec qui répond, quoi. Allez hop, invoque-moi des créatures. Pourquoi pas. Voilà, et on va mettre le roi Foch dans ta face. Allez, invoque-moi une grosse. Une grosse, pas une tisseuse. Une tisseuse, c'est nul. Ah. Ok. Direct le mec, il voit la créature, il fait ne plop 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 plop. Est-ce que 1 ça fait 9? Attends, 1, 2, 9. Ah non, c'est pas assez. C'est pas assez, mais nous on a décidé de jouer en mode mongol. Mongol. Donc on joue le chasseur, on fonce dans le tas. Si je la finis déjà maintenant. Je mettrai ça sur votre note. Ok, il renvoie qui? Il renvoie celle-là. Celle-là qui faisait quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Ah! 2 points, ouais, pourquoi pas. Aïe, ça fait mal, non mais ça fait mal par contre. Ah, ah. Ça fait mal, mais c'est... Ah, c'est celle-là, je crois. Je reconnais l'image, je crois que c'est celle-là la nouvelle. Affiche 3 points de dégâts, vous piochez une carte si votre main est vide. Si votre main est vide, ouais, c'est vraiment des cartes de chasseur, hein. En mode... Timmy! Bon, bah... Premier défi de classe réussi en moins de 3 minutes. Bonjour. Ok, pourquoi pas. Et donc du coup voilà, on a gagné la T-Reflex qui inflige 3 points de dégâts et qu'on pioche si la main est vide. Donc ça c'est pour les decks où tu poses 20 milliards de créatures quoi. Nouveau duel, saurez-vous vaincre le boss en utilisant ce deck spécial de mage? Triompher de lui et remporter une carte de mage. Bon, on va voir si ça se passe aussi rapidement que la première. Parce que dans ce cas là la vidéo va faire 6 minutes. Jaina contre la reine. On va prendre notre temps. Fer. Voilà, on va attendre jusqu'à la fin. Oh, d'accord. Ah oui. Vous l'avez cherché. Laisse-moi deviner. Pour le fun, je change les trois. Hein. Oh, je m'y attendais pas. On joue uniquement avec des portails instables. Oh là là, oh ce bordel que ça va être. Et ça, c'est celui qui invoque des serviteurs 1-1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonjour. Nous avons un sacré spectacle pour vous. What? Les plus grandes légendes d'Azeroth contre un... Ah oui, d'accord, on améliore nos armes là. On n'avait pas vu ça. Ah, on les transforme. Et là, on refroidit, d'accord. On rechauffe un coup. Ok. Tiens, je me demande ce que je vais invoquer. D'accord. Je ne connais pas cette carte. On dirait une carte de prêtre. Une nouvelle carte de prêtre peut-être. De pêche, le maître pêcheur Nat Pagan. Peut attendre et pêcher toute salut la journée. Nat. Comment vas-tu Nat? Ça va bien tu dis? Bon d'accord, bah si ça va bien alors. Oh, je me demande quelle carte il va me défausser. Ok. Je m'y attendais pas en fait. Je pensais pas, hein. Je pensais pas que ce serait celle-là, je m'attendais à une autre. Ok, toi tu m'invoques encore un truc. Mais c'est pas grave, je t'aime bien quand même, t'inquiète. T'es mon poteau, wesh.
ça c'est gratuit. On va faire comme ça, voilà. On élimine tout. On fait ça propre, clean. On clean la table. Bon, lui il invoque une petite provoque 1-1. Un peu chiant ces provoques. Mais on fera avec. Oula, j'ai peut-être fait du bruit avec mon micro, désolé si c'est le cas. Si c'est pas le cas, désolé quand même. Bon, la petite charge. Pour le roi. Pour l'honneur. On prend, hein, on prend. Ah, elle coûte 1. Bon, c'est pas grave. Confère camouflage à un serviteur allié. Pourquoi pas? C'est une carte comme une autre. Alors, on va utiliser la charge, hein, tant qu'à faire. Voilà, là je peux encore en invoquer un. Je peux encore en invoquer un. Allez hop. Bon, les défis de classe ont pas l'air bien compliqués, hein. Je vous avoue là. Ah! Ça c'est la. D'accord. Voilà, là il a réduit tout d'un coup. Oh là là, c'est la nouvelle légendaire. Réduit de 1 cristal toutes les autres cartes. Pourquoi pas? De toute façon, on a gagné, hein. On n'a pas de méca sur la table. C'est pas un méca ça, non, c'est pas un méca. Bon, encore, allez, encore. Petite tisseuse. On va lui donner charge. Voilà. Celui-là est à moi. Ah, bon, en fait, c'est celui-là bon quoi. Bon, on inflige tout, on va faire. Tiens, camouflage sur toi. Et bah, c'est la fin. Déjà, de ces défis de classe, ça s'est passé beaucoup trop rapidement à mon goût. Et pour elle, on débloque quoi du coup? Le souffle. Oh, elle est belle. Oh putain, j'imagine pas en doré si elle existe en doré. Oh! Inflige 4 points de dégâts, coûte 1 cristal de mana de moins pour chaque serviteur mort pendant ce tour. 1 cristal de moins pour chaque serviteur. Donc, genre, on a plein de petites créatures, bam, 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 et après ça, là, on la sort, et bam, et tac. Ça peut être bien, hein, franchement. C'est pas mal du tout, j'aime bien ces deux cartes, elles sont sympas. Elles sont vraiment cool. Du coup, si je vais voir ma collection, j'ai des nouvelles cartes, voilà. Donc la nouvelle pour le chasseur, le T-Reflex, la nouvelle pour le mage. J'ai tourné les deux vidéos à la suite, donc j'ai pas regardé les autres. Hein. Elle coûte 5 de base quand même. Donc 5 ça fait cher, mais on peut la réduire. C'est situationnel, moi je trouve ce genre de carte. Celle-là par contre, je suis sûr qu'il y aura des combos assez énormissimes avec ça. Genre 9 over 1000. Bon, elles sont les nouvelles là. Et on tourne les pages. Ah, ici, il y en avait une. Ah oui, le client sinistre, voilà, j'étais en train de me demander. Et du coup, l'empereur Torissan. Du coup, bah, on va attendre l'aile numéro 2 sorte et on fera la suite ensemble, les amis. Je sais pas combien il y aura de boss. On verra. Et ça, je suppose que c'est. Ok, on peut pas encore voir. Ok, ça va. J'avais peur qu'on puisse. Ah non, mais c'est chaud. Ah, on a rien vu. J'ai pas envie de me spoil. J'ai pas regardé, je veux pas savoir. L'héroïque, je l'ai pas encore commencé. Hein. Ça, comme je vous l'ai dit. De toute façon, y'a rien à gagner de spécial. C'est juste pour la. Enfin, si, y'a d'autres cartes quand on les fait toutes, je crois. Mais ça, ce sera à tryhard de mon côté. Du coup, voilà, ce sera une petite vidéo qui aura duré même pas 10 minutes. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide ces fameux défis de classe. Du coup, n'hésitez pas à le pouce vert, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne YouTube afin de manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Ciao !